Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En ce moment vous êtes gâtés, vous voyez, vous avez pas mal de vidéos. J'ai reçu ça la semaine dernière, mais j'avais pas encore eu l'occasion de vous faire la vidéo. Ça vient de Cindy, qui m'avait déjà fait un joli colis auparavant, vous avez vu sur une autre vidéo. Et qui vient toujours se mettre devant, et elle m'avait refait un colis car elle avait trouvé les blocs de Noël. Voilà, donc j'ai eu les 6 blocs, voilà, voyez. Et ils sont super beaux. Donc avec, elle m'a fait une petite carte, voilà, c'est un joli embossage, un papillon bien sûr. Et elle avait mis des petits tamponnages derrière. Donc déjà Cindy, merci, mais je te l'ai déjà dit hein, par Facebook, mais je te le redis encore une fois. Et hier, elle m'a envoyé une autre enveloppe avec des petites découpes. Donc, je vais vous la montrer. Donc c'est tous les petits mots, voilà, sur le thème de Noël, tout ça. Bon, là on les voit pas bien, je vais pas vous les enlever parce que bon, ben, il y en a beaucoup. Juste, oh, ben, désolé, on entend du bruit, c'est mon ordi, voilà. Il y avait une chèvre qui passait par là. Alors, elle m'avait demandé si j'avais des découpes de mots, donc je l'avais dit oui, elle me les a envoyées en me rajoutant une jolie découpe que j'adore. Alors je vais essayer de vous mettre ça sur du papier blanc. Alors, je cache l'adresse, voilà. Et un petit Père Noël avec son renne, toute mignonne. Et là, donc, dans les découpes, il y a des bonnes fêtes, il y a des Noël, il y a des anniversaires. Voilà, c'est tout ce qui concerne les fêtes. Parce que je cherche des dies avec des mots en français ou des tampons aussi en français. Et bon, j'en trouve pas beaucoup. Les seuls que je trouve coûtent extrêmement cher. Et j'ai regardé sur AliExpress, mais AliExpress, c'est rien en français. Donc c'est tout en anglais et voilà. Donc je vais vous montrer, si vous ne connaissez pas encore les blocs, si vous n'avez pas encore réussi malheureusement à les avoir, j'espère que vous les aurez. Hein, parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Alors je vais vous le montrer. Là, je vous montre un peu la caméra. Voilà. Donc le premier, voilà, celui-ci. Il est dans les tons gris. Alors, comment je vais faire pour bien vous les montrer? Voilà. On va remettre un peu. Voilà, là vous devez bien voir. Alors, ils sont magnifiques, j'adore. Alors, ils ne font qu'un côté, hein. C'est que les rectos. Donc, cela c'est tout dans des tons gris. Donc il y en a qu'on peut servir en dehors de Noël. Hein, ah, les arabesques. Celui-là est magnifique. J'espère que vous voyez bien. Celui-là est joli aussi avec le petit sapin. Et il y en a qu'on peut utiliser pour d'autres choses. Hein. Ouais. En fait, ça a fait bizarre qu'ils ont mis un carré blanc là. Je sais pas pourquoi. Et voilà pour le premier. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc, ils n'ont pas de nom, Merry Christmas, non, il n'y a pas d'autre nom. Donc, bon, désolé, vous allez les voir à l'envers, mais j'arriverai pas à vous les montrer autrement. Là, il y a du brillant dessus. Mais ils sont super beaux.
Ben. Là, il bouge. Oui. Les branches de houx, les serres, les branches de houx. Là aussi, ça fait un carré ici, brillant seulement. Donc là, je trouve ça un peu bizarre. Alors là, vous voyez pas bien, même moi, il y a des bottes de Noël, il marque Merry Christmas, tout ça, mais bon, il faut vraiment bien le voir. Mais sinon, il est joli aussi. Voilà, celui-là, pareil, tout brillant. Ensuite, j'étais gâtée, hein. Celui-là, donc dans les tons bleus. Donc il y a une page de chaque. Hein. Les petits pois. Donc ça c'est pareil, hein. On peut s'en servir autrement qu'à Noël. Là, du tricot. Là aussi, ça fait un jacquard. Ah, des Merry Christmas. Ouais, ils sont vraiment très beaux. Voilà. Voilà. Et voilà pour celui-là. Le quatrième. C'est donc celui-ci. Ouais. Désolée, hein, si vous voyez les images à l'envers. Des sapins, des étoiles, des flocons de neige, encore des sapins et des sucres d'orge, des serres, du houx. Des petits pois, des étoiles, des sapins, encore des sapins. Là, c'est des petits sapins avec des étoiles. Là, c'est des boules de Noël. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les chaussettes de Noël. Le petit sapin avec des serres, ou des élans, non, c'est plus des serres, ça ressemble plus à des serres. Des sapins, alors là, des étoiles, voilà. Le cinquième, le voici. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Malgré qu'ils sont tous beaux. Là, du tricot. Du bois. J'en ai raté. Des étoiles. Des boules, encore du bois. Des petits pois. Des petits points, pardon. Là, de l'écossais. Bon, il y en a, comme je vous ai dit, il y en a qui n'ont pas trop de rapport avec Noël. Mais on peut faire de jolis fonds. Là, voilà, Merry Christmas, par exemple. Hop, il y en a trois. Encore un tricot. Des étoiles. Joli celui-là. Et voilà.
Et le dernier, que je trouve splendide, les autres sont beaux, mais celui-là est splendide. Oups, pardon, je fais bouger la caméra. Alors toujours le blanc, là, les sapins sont brillants. Donc en doré. Mais celui-là est magnifique. Celui-là aussi, très beau. Celui-là, il est beau. Là. Alors celui-là, si vous vous rappelez, on l'avait déjà un peu dans le... Quand ils ont sorti les dorés avec du foil, on l'avait déjà un peu ce motif. Là pareil, hein, ça brille. Des sapins, des petits sapins. Oui. Celui-là, il est super. Et voilà. Donc je suis super contente parce que bon, qu'en plus qu'elle ait trouvé les 6, donc elle en avait trouvé 6 pour elle et 6 pour moi. Donc elle est ressortie d'action avec 12 blocs. Voilà. Je suis super contente. Ça va me servir pour mes cartes et puis pour d'autres choses hein, aussi. Pour me scraper hein, bien sûr. Donc Cindy, je voulais encore te faire un énorme merci. Tu sais que je vais te faire une création, hein, donc bon, j'en dis pas plus. Tu verras quand tu la recevras. Donc j'espère te la faire, te l'envoyer pour le début du mois prochain. Encore un énorme merci. Merci aussi pour les autres envois. Et je te fais plein de gros bisous. Un énorme merci encore et merci pour tous les petits mots que tu m'as envoyé, les petites découpes hein. En plus ça a dû passer un temps fou pour découper parce que je sais que les mots c'est super long et donc voilà, donc j'ai terminé là ma vidéo. Je voulais partager avec vous donc c'est des blocs de Noël. J'espère que vous avez réussi à les avoir ou que vous allez les avoir parce que comme vous avez vu ils sont super beaux et ben là il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. J'embrasse plus particulièrement Cindy bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!